Bienvenue dans chez vous, mesdames et messieurs. Vous êtes une fois de plus sur Congo Live Télévision. Nous vous disons merci de cette fidélité. C'est ici où vous recevez plutôt les informations aussi certifiées avec un décryptage y afférent. Mesdames et messieurs, nous sommes donc le week-end et comme vous le savez, cette semaine a été aussi marquée par des accrochages signalés ça et là dans les territoires des masses ici, mais également dans les territoires des Rutshuru. Jusque-là, nous tenons tout simplement à préciser que l'ennemi n'a pas aussi atteint ses objectifs. Lui qui voulait déloger les forces armées de la République démocratique du Congo d'une part et d'autre part, les jeunes résistants Wazalendo regroupés en volontaires pour la défense de la patrie. Plusieurs factions et partout, mesdames et messieurs, c'est toujours les M23 qui retrouvent ces jeunes gens sur son chemin. Et c'est comme ça, même avant-hier, on les a vus une fois de plus tendre des embuscades aux éléments M23. On vous a parlé de toutes ces collines des militaires qui voulaient même s'emparer d'une entité dans le territoire des Rutshuru. Mais les Oisalendo ont compris déjà les jeux de l'ennemi, ils ont compris c'est à quoi l'ennemi est entré de vouloir s'illustrer. Et c'est dans ce sens qu'ils ont tendu cette embuscade. Et les militaires M23, je vous assure, n'ont pas pu résister à cette embuscade des Oisalendo. Alors, ce n'est pas seulement dans le territoire des Rutshuru, parce qu'à Masisi, et d'ailleurs, tout près de la cité d'Essaké, il y a eu encore une fois la volonté de l'ennemi. Il a manifesté sa volonté de s'emparer de cette localité, donc de cette cité, une cité qui reste aussi stratégique pour le contrôle de la ville de Goma. Parce que les FRDC y ont mis une verrou, disons, un verrou sécuritaire très, très significatif au-delà de ces jeunes gens. Donc, au-delà de ces FRDC, nous avons aussi les Wazalendo qui viennent en appui. Sans oublier les militaires de la SADC, le contingent de la SADC toujours présent aussi en République démocratique du Congo. Et on vous a aussi parlé tout au long de cette semaine de cette formation qui a pris fin au niveau des Moubambiro. Et c'était dans le cadre qu'on se rassure d'abord qu'on a les effectifs nécessaires. Et si une fois les offensives sont lancées, qu'on soit à même de tenir face à l'ennemi. Parce que ce n'est pas à dire que l'ennemi, on s'est poser mille et une questions disant que nous ne sommes pas peut-être à mesure d'en découdre avec les militaires rwandais présents sur le sol congolais. C'est pas ça. Mais nous devons toujours avoir une armée prête à répondre aux différentes éventualités. Parce que dans les jours à venir, si une fois nous arrivons à déloger les M23 RDF sur le sol congolais, il faut tout faire pour qu'ils ne puissent plus revenir. Et c'est dans ce sens, mesdames et messieurs, que la donne défensive intervient. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui avoir une armée qui sera là tout simplement en train de répondre aux attaques des ennemis. Ou disons que l'ennemi entre sur le sol congolais et puis qu'on y travaille maintenant pour les déloger. Ce n'est pas ça. Mais l'armée doit être là en protégeant les frontières de la République démocratique du Congo. Avec les 9 pays voisins que nous avons, nous devons nous rassurer que toutes les frontières sont bien protégées. Et là, on ne va plus voir les ennemis de la République démocratique du Congo traverser les frontières comme ils veulent, entrer, décimer tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui comme désolation. Parce que les gens sont en train de mourir, les gens sont obligés aujourd'hui de rester longtemps dans les sites de déplacés parce que leur milieu respectif est justement menacé par les militaires rwandais, les militaires ougandais et leur supplétif ou leur sobriquet appelé M23. C'est dans ce sens, mesdames et messieurs, qu'il faut toujours aussi insister sur le fait de voir encore une fois une armée, l'armée républicaine, pas une armée de façade. Nous devons avoir une armée républicaine et avec cette armée, elle doit avoir aussi une réserve. C'est dans ce sens que vous allez voir les Oisalènes dans les jours à venir donner forme à la réserve armée de la défense, la RAD. Il y a une loi qui est déjà en vigueur. Jusque-là, nous attendons justement qu'il y ait aussi l'effectivité de cette réserve dans toute la République démocratique du Congo, parce qu'il y a les animateurs au niveau national, mais dans les provinces, nous devons maintenant avoir cet engouement. Déjà, les Oisalendo que nous avons aujourd'hui, au lieu de continuer toujours, bon, c'est là qui les souhaite, au lieu de continuer toujours à faire la guerre comme étant aussi une armée parallèle aux forces armées de la République démocratique du Congo, nous voulons qu'ils soient déjà considérés comme les réservistes. Ça passe par un processus. Et ce processus, mesdames et messieurs, doit déjà être
effectif. Voilà donc la nécessité que nous sommes toujours en train de partager. Et si vous assure, tout est possible. Si une fois toutes les parties mettent en place tous ces préalables, parce que quand on parle des préalables, c'est d'abord la sécurité de la République démocratique du Congo. On le disait. Et d'ailleurs, c'est la priorité des priorités. Alors, il faut donc y accorder une attention beaucoup plus particulière que celle que nous pouvons bien sûr accorder dans d'autres secteurs de la vie. Sans la paix, le pays ne peut pas se développer. Ça, il faut les retenir. Sans la paix, même pour jouir de tout ce que nous avons comme potentialité dans le pays, c'est difficile. Imaginez tous ces gens qui sont aujourd'hui dans les sites de déplacés et pourtant, ils facilitaient aussi la tâche pour toute la province du Nord Kivu, voire même les provinces voisines, en termes des productions agricoles. Aujourd'hui, les gens ne cultivent plus. Et les paix des produits agricoles qui étaient déjà, que les gens se préparaient déjà à récolter, tous ces produits ont pris la direction du Rwanda. Et puis le Rwanda vient les déverser ici. Donc, on a comme l'impression, comme si les produits disons, tous ces produits agricoles, la semence, c'est au Rwanda. Mais également la récolte, c'est au Rwanda. C'est ce que les gens peuvent penser. Et pourtant, ce n'est pas ça. Il y a même des haricots qu'on récolte à Rutshuru, et puis ces haricots prennent directement la direction du Rwanda. Plusieurs produits agricoles, mesdames et messieurs, et c'est comme ça que les choses sont en train malheureusement de se passer. Parce que nous connaissons tous la situation qui reste aussi très volatile, surtout avec la connexion entre la ville de Goma et d'autres milieux. Même Minova, aujourd'hui, c'est par la voie lacustre que cette connexion est possible. Et vous vous rendez compte justement de tous les dangers, tous les défis auxquels les gens sont confrontés. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes toujours à notre niveau en train d'insister aussi sur cette nécessité. Alors, dans ce contexte, mesdames et messieurs, parce que la semaine a aussi été marquée par des rencontres diplomatiques. Au-delà des rencontres diplomatiques, parce que le processus de Luanda, jusque-là, il y a un flou qui plane. Et c'est flou, mesdames et messieurs, c'est cette contradiction qui tombe, ça et là. D'une part, la première ministre de la République démocratique du Congo qui confirme que le Rwanda a présenté aussi un plan de retrait de ses troupes en République démocratique du Congo. Personne n'est au courant de ces plans, mais la première ministre a parlé. Et à un certain moment, on peut considérer ça comme étant aussi une déclaration, une information officielle. Alors, le Rwanda n'a pas tardé et directement, ils ont réagi, réfutant en bloc les propos de la première ministre de la République démocratique du Congo. Mais nous connaissons tous comment est-ce que le Rwanda a agi. Parce que ce n'est pas la première fois que le Rwanda réfute, parce qu'ils réfutaient même la présence de leurs troupes sur le sol congolais. Mais la question qu'on peut se poser, pourquoi dans les discussions de Rwanda, il y a des préalables qui sont sur la table des discussions? Premier préalable, c'est d'abord bon, le Rwanda qui vient avec les motifs fallacieux de la présence des FDLR sur le sol congolais. Mais nous connaissons tous la réalité par rapport à ça, bien que le gouvernement congolais a accepté de présenter aussi un plan de neutralisation de ces miliciens rwandais. Il faut les appeler ainsi. Alors, de l'autre côté, le gouvernement congolais est venu avec un préalable qui impose au Rwanda, les retraits de toutes ces troupes sur le sol congolais. Donc, tous les RDF qui sont là doivent rentrer chez eux. Et ces RDF estimés à un nombre de 4 000 hommes. 4 000 hommes, même la rébellion du M23. Bon, limitons-nous justement à la question de rébellion. La rébellion du M23 n'a pas un effectif de 4 000 hommes. Voilà pourquoi nous, on a adapté notre langage, disant que, comme le Rwanda est à un effectif, non, c'est les militaires rwandais estimés à plus de 4 000 hommes sur le sol congolais. Donc, c'est les M23 qui viennent soutenir les militaires rwandais dans leur guerre d'agression contre la République démocratique du Congo. C'était ça aussi notre façon, justement, de voir les choses, notre compréhension, bien sûr. Alors, dans tout ça, il y a toujours les Rwandais qui se contredisent à tout instant. Ne vous en faites pas, la première ministre peut avoir raison. C'est comme si même les Rwandais a finalement accepté que ces militaires sont présents sur le sol congolais. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas aussi trop de précision sur cette question de Rwanda. Peut-être ça a été abordé, mais le Rwanda, pour montrer sa position ferme vis-à-vis de la question sécuritaire en République démocratique du Congo, il peut nier. Donc, ne soyez surtout pas surpris de voir les Rwandais faire la, 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 c'est lancer justement dans cette
en position. C'est normal pour eux, et nous les connaissons tous dans cette logique. C'est leur habitude, donc. Donc il ne faudra pas être surpris par rapport à ça. Mais dans tout ça, mesdames et messieurs, il faut cesser avec cette guerre des ping-pong. Tantôt vous dites ça, tantôt l'autre vient vous contredire. Moi, je pense la solution est pour permettre au Rwanda de manquer des choses à dire. Nous devons tout faire pour réactiver l'option militaire. Nous insistons sur ce point. Toute cette semaine, nous sommes revenus sur l'option militaire qui doit être réactivée. Vous-même, vous avez vu la présence des FRDC au niveau c'était voilà, c'était où encore? À Walikale. Il y a une localité qui est à la limite du territoire de Rutshuru, disons, territoire de Lubero et celui de Walikale. Les M23 voulaient s'emparer de cette entité. Les Ouazalendo sont venus les repousser jusqu'à ce que les FRDC sont venus maintenant pour s'installer. Et les M23, RDF, ont directement reculé pour aller encore une fois se concentrer dans Lubero. Ça veut dire, mesdames et messieurs, il ne faut pas minimiser la présence des FRDC. C'est vrai, ce sont des militaires qui ne reçoivent toujours pas les ordres de la hiérarchie pour lancer les opérations, lancer surtout les offensives contre les M23 RDF. Mais ce n'est pas une armée qui n'est. On ne peut pas dire que c'est une armée qui n'est pas en mesure d'en découdre avec tous ces bandits, avec tous ces agresseurs qui sont en République démocratique du Congo. Donc, l'armée, elle est là. Et l'armée, je vous assure, elle peut toujours nous prouver de quoi elle est capable, en recevant tout simplement les ordres de la hiérarchie. Mais jusque-là, les ordres ne viennent toujours pas. Donc, l'option militaire, si une fois elle est activée, moi je vous dis et je le répète, sans peur d'être contredit, que cette armée, si une fois on lance les opérations, on relance plutôt les opérations, elle peut nous prouver de quoi elle est capable. Dans toute armée du monde, il y a toujours des traîtres. Même l'armée rwandaise qui est en train de nous envahir, il y a des traîtres. Mais c'est à nous aussi d'utiliser ce qu'on appelle le contre-espionnage. Les mêmes traîtres qui sont dans l'armée rwandaise, c'est à nous de les dénicher et collaborer avec ces traîtres. Facilement, ils peuvent nous faire des informations. Qu'est-ce que les Rwandais leur donnent de plus précieux que la République démocratique du Congo ne peut pas leur donner? Et surtout, que c'est eux qui viennent envahir la République démocratique du Congo. Et je vous assure, ces militaires qui sont déployés sur le sol congolais, la plupart d'entre eux ne connaissent même pas les vrais motifs ou disons la vraie raison de leur invasion en République démocratique du Congo. Alors, dans tout ça, mesdames et messieurs, c'est à nous aussi d'utiliser d'autres stratégies. Les contre-espionnages existent. Quelqu'un qui vous espionne, vous pouvez faire le contre-espionnage. Mais si on ne le fait pas, on sera toujours là en train de pleurnicher tous les jours. Non, nous sommes agressés, mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire aussi pour contrer ces agresseurs, en fait, ne pas toujours nous faire du mal? Parce qu'on ne peut pas aussi rester tous ces jours en train toujours de crier. Soit on se lance dans les vraies opérations. Et qui dit vraies opérations, il y a les renseignements qui doivent aussi jouer bien son rôle. Il y a les opérations maintenant sur terrain. Qui dit opérations sur terrain, c'est maintenant les échanges des tirs. Et comme c'est pas souvent corps à corps, il y a toujours des façons où on peut le faire aussi à distance avec les armes lourdes. La République démocratique du Congo a toutes ses armes. Alors pourquoi ne pas se lancer directement dans cette voie? Donc, tout est possible parce que nous recevons aussi des alertes. Au moment où il y a des jours qui sont entrés, disons, au moment où nous sommes en train de perdre le temps, parce que c'est ce qu'il faut dire, la diplomatie demande aussi du temps. Et si cette diplomatie n'est pas appuyée avec le front militaire, vous-même vous allez voir qu'elle va durer. Donc, la diplomatie trouve aussi une pression lorsque sur la voie militaire, il y a des démarches qui sont aussi accentuées. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Bien au contraire, toutes les opérations militaires sont en berne. Et puis, la diplomatie, elle est en train de jouer. Voilà pourquoi il y a les temps qui passent toujours sans pour autant avoir les bons résultats. Mais nous espérons que ce que la première ministre a dit est vrai. Sinon, ça sera encore une fois catastrophique de tromper les gens comme ça. Mais nous espérons que c'est vrai. Disons, considérant ce que le Rwanda a toujours, l'attitude du Rwanda, parce que le Rwanda a une attitude aussi très mauvaise, avec d'abord de l'hypocrisie. Et ne vous en faites pas qu'il puisse nier ce que lui-même a dit. Il peut le faire. Donc, c'est jusqu'au point où il réfute en bloc les accords qu'eux-mêmes ont conclus. Cette
tout à fait normal pour les Rwandais. Alors on est habitué directement à cette façon de jouer pour les Rwandais, et la République démocratique du Congo ne doit plus, encore une fois, tomber trop bas dans leurs histoires. Alors, mesdames et messieurs, comme je le disais, des alertes qui nous parviennent font état, encore une fois, des pillages dans les zones contrôlées par les M23. Les cas les plus récents, c'est dans la zone de Kibirizi, où des bandits armés non autrement identifiés ont emporté des biens de valeur de la population lors d'une incursion dans la nuit du jeudi au vendredi 18 octobre 2024 à Kibirizi. Nous sommes dans le groupement Moutanda, la chefferie de Bwito, dans les territoires des Rutshuru. Alors, selon plusieurs sources dans la région, ces individus se sont introduits particulièrement au quartier Boutega. Ils ont emporté des vêtements, de l'argent, des téléphones et du bétail des paisibles habitants. Ils ont également tiré plusieurs coups de feu avant de prendre la fuite dans la brousse. Alors, qui sont ces gens-là? Parce que jusque-là, on ne sait pas trop. Mais ce sont des bandits qui sont venus dans une zone contrôlée par le M23. Mais aucun dégât humain n'a été aussi signalé lors de cette incursion malheureuse, selon les mêmes sources. Mais on peut tout de même noter que la cité de Kibirizi, voilà la précision, fait partie des entités sous occupation du M23. Et Kibirizi est sous occupation du M23 depuis le mois de mars 2024. Alors, nous sommes en train d'insister justement sur cette réalité. Les M23 et même une zone qu'ils sont en train de contrôler, mesdames et messieurs, il y a des incursions des bandits. Alors peut-être ce sont eux-mêmes les bandits parce qu'ils ont trompé la population disant que nous sommes là comme vos protecteurs. Nous sommes venus pour vous protéger parce que le gouvernement congolais est en train de vous mettre aussi mal à l'aise. Alors là où les M23 contrôlent, pour vous montrer que ce sont tout simplement messages propagandistes pour avoir encore une fois la confiance de la population. Mais les M23, même là où ils aussi sont en train de contrôler, il y a toujours des cambriolages. Les systèmes 40 voleurs, ils ont emporté des bétails, ils ont emporté des produits champêtres de tous ces des habitants, justement, et puis ils ont pris la direction de la brousse. Alors, là, la personne qui doit nous donner les réponses, c'est justement celui qui s'est fait appeler comme les protecteurs, voilà, de tous ces habitants. Voilà, donc les M23, même dans les zones qui est aussi contrôle, il y a des tueries. Mais on ne peut pas aussi dire, comme il y a des tueries là-bas, que le gouvernement congolais ne fasse pas, ne joue pas son rôle comme il faut. Parce que à Goma, il y a toujours des cambriolages signalés dans presque tous les quartiers de la ville. Donc, malheureusement, c'est partout, c'est comme ça. Mais je viens d'aborder cette question pour vous montrer, mesdames et messieurs, les M23 ne sont pas aussi des personnes de bonne foi à qui on peut faire confiance, ces gens-là. Donc, ils sont aussi là, c'est pour leurs propres intérêts. D'abord, il y a des factions. Les uns ont les revendications politiques. Les autres jouent le jeu du Rwanda. Le Rwanda qui est là avec un agenda. Occuper d'abord l'est de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, exploiter cette partie du pays et puis avoir de l'influence. Quand on peut avoir même un gouverneur, le Rwanda, avec lui, soit un mot à dire pour la désignation d'un gouverneur ici. Et ce gouverneur doit être sous leur contrôle. Les commandants région sous contrôle du Rwanda. C'est ce qu'ils veulent. Pour exploiter sans arrêt l'est de la République démocratique du Congo. Parce que l'économie du Rwanda dépend à 90% de l'est de la République démocratique du Congo. Quand je parle d'économie, c'est en termes de production. Ils ont trompé l'opinion internationale comme quoi ils sont parmi les producteurs des matières premières. Et pourtant, ils n'ont pas de gisements. Donc, ce sont toujours des mensonges grotesques et il est grand temps, mesdames et messieurs, de renverser la donne. En renversant la donne, ce sont donc toutes ces vérités qu'on doit dire aux gens et en faire bon usage. Parce qu'il ne faut pas, donc, ce n'est pas nécessaire tout simplement d'écouter la vérité sans pour autant agir. Quand on parle des réactions, ce n'est pas seulement les autorités qui doivent
agir. Même la population doit aussi agir. Surtout, la population est déjà bien partie pour en jouer très bien son rôle. C'est le gouvernement qui est tout simplement en train de balbutier, qui hésite un peu. Mais on vous a donné toutes les pistes possibles. On vous a donné toutes les voies. Donc le gouvernement n'a plus aussi d'excuses par rapport à ça. Disant que, bon, la population n'est pas en train de nous aider. Non, la population, elle vous aide. Dès lors qu'elle a refusé de collaborer avec ses agresseurs, réitérant sa confiance et son soutien au FARDC jusqu'à ce qu'une partie de la population a même jugé bon de prendre les armes pour défendre les pays. Là, nous parlons de Ouazalendo. C'est déjà quelque chose. Voilà, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission sur Congo Live Télévision. Nous sommes le week-end. On va donc se retrouver, bien sûr, la semaine prochaine pour d'autres actualités sur la chaîne qui vous édifie. Nous sommes toujours au plus 243 9 98 72 43 14. Mesdames et messieurs, prenez toujours bien soin de vous et nous serons heureux de vous compter une fois de plus, nombreux la semaine prochaine pour parler actualité sur votre chaîne.